On peut parler de toi. Hey, mais qu'est-ce que tu fais? La porte est l'autre bord. Hey! La porte est ici, comme ça. Ouvre la porte, viens. Bye, Titi. Là, je viens de faire mon maquillage. J'aime vraiment ça. Là, je suis contente parce qu'elle a laissé mon teint avec mes petits freckles. Fait que ça ressemble pas mal à ça. En fait, il reste juste à faire mes cheveux. Puis on a mis toute notre petite robe de chambre, toute pareille. Olivia! Ouais, s'il te plaît.
J'ai composé un petit message pour les nouveaux mariés. Donc, on va se passer le micro à tour de rôle. On a un petit mot à leur dire. Donc, bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Nous aimerions prendre un petit moment pour souligner l'union de nos deux merveilleux mariés de ce soir, Alexandra et François. Aujourd'hui, en 2022, il est facile de jeter et de recommencer. Vous êtes un bel exemple à suivre. Vous êtes un bel exemple de persévérance de couple pour tout le monde. Félicitations. Pourquoi seulement un gars qui lit des petits messages comme ça? Outre le fait que vous êtes de bons parents, à la base, vous êtes deux merveilleux humains avec qui nous avons du plaisir de faire la fête. Hein? Surtout Alex, pas François. Mais c'est pas grave. Simplement, jaser. Ça, vous êtes bon pour ça, hein? Vous avez une bonne écoute. Pas François, mais Alex, oui. Bref, c'est un plaisir pour nous de vous côtoyer et de nous avoir dans vos vies. Dans vos vies. Désolé pour ma dyslexie. Moi, je tiens juste à dire qu'on m'a forcé de lire, parce que ça me tentait pas. Mais vu que c'est Alex, je vais le voir, avec François. Alex, t'es arrivé dans la vie de François avec les bras grands ouverts et le cœur gros comme le ciel. Tu as su faire une place importante pour sa fille Maïlie. Nous tous ce soir t'admirons pour ton dévouement depuis le début avec elle. Tu es une belle maman extraordinaire, une maman tellement dévouée, mais surtout une amoureuse présente. Devant des voix, non? J'avoue, c'est pas mal lui qui travaille tout le temps, mais en tout cas. Il fait tout son possible pour rendre François heureux, et c'est très beau à voir. Yeah! François, nous t'honorons notre mère, parce que tu es tellement un bon papa. Tu ferais tout pour ta famille et tes amis, même si tu n'es pas le plus démonstratif. Nous savons que nous pouvons compter sur toi jour et nuit. Tu as le cœur sur la main, toujours prêt à aider les autres. Ce soir, ta famille et tes amis t'allons te féliciter pour la personne merveilleuse que tu es. Ne change pas. Pour terminer, Alexandra, François. Alexandra et François, vous méritez d'être heureux et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous réunis ici ce soir pour célébrer avec vous votre amour inconditionnel que vous partagez l'un pour l'autre à tout jamais. Nous vous levons notre verre. Vous êtes beaux, vous êtes surtout solides! Cheers! Ça a pris 30 minutes avant que mon père me dise d'aller porter à la SPCA. C'est quoi, cher papa? Aujourd'hui, ça fait 8 ans que tu changes la littérature. Je pense que nos parents peuvent vous dire à quel point notre relation n'a pas toujours été parfaite. Mais ma soeur a toujours eu son rôle de grande soeur. À merveille.
La veille de ma rentrée au secondaire, tu as pris ton temps pour venir acheter du maquillage et m'expliquer ta manette. Que tu es là pour moi dans mes peines de cœur. J'ai su que tu étais prête à faire n'importe quoi pour moi quand tu es venue à l'école en pyjama pantoufles pour me défendre devant les filles qui viennent moi. Alex, t'as jamais été autant épanouie. C'est grand pour François. Je vais toujours me souvenir de la fois que t'es déchiré mes paroles. J'ai tout de suite que j'allais t'aimer. C'est certainement pas avec tes jokes plates, mais grâce à Marie. Ça vient de donner moi une marraine qui m'attend combien de bonheur. François, merci d'offrir à ma soeur toute la joie qu'elle mérite. C'est une femme exceptionnelle que tu as étudiée et j'espère que tu le suis. Juste plein d'amour et encore plein de bébés. Comme qui a fait les premiers pas? Ah, ok. Ah oui? Hey. Ok, ça va faire qui un pilon la première fois que tu fais? Oui. Hop, on va être confit. Est-ce que tu as une question de mes gens? Si? Qui est le premier à aller au lit? Allez au lit. Fuck up! Deux questions là-bas. Oui, il y en a des questions pour eux. C'est pour une vraie question. Ok, qui te passe à la meilleure? Ben là. Voilà. Qui prépare le souper? Hey, fuck up! Tu fais les premiers d'avance pour aller au lit. Hein, François? Toi qui fais les premiers d'avance, c'est quoi? Non, mais c'est pas pour d'accord. Qui prend la plupart des décisions dans la maison? Oh! Et lui, il a compris, par exemple. Vraiment compris, hein? C'est très grave. Qui a fait ta demande en mariage? Ah! C'est bon, François! Tu sais qui a dit je t'aime en premier? Ça fait pas. Ah, ça fait pas. Tu sais qui a dit je t'aime en premier?